Coucou, coucou, c'est Florence de Cheveux Fantasy, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo présentation du kit, un des kits d'octobre de la boutique, les kits de Corinne. Voilà, je suis trop contente. Alors aujourd'hui, nous sommes le 27 septembre, donc nous en tant que membres d'été, on reçoit en fait les collections un petit peu plus tôt. Bon là, c'est un petit peu plus tard, mais je crois qu'elle a eu des petits soucis avec certaines commandes. Enfin bon, bref, c'est pas grave, moi je vais m'y atteler ce week-end et j'ai été le chercher donc hier, mais je l'ai pas ouvert parce que j'avais mon ménage à faire. Vous voyez, c'est la petite récompense, on se fait des petites carottes, voilà, pour se motiver. Donc le ménage est fait, voilà, ma récompense est d'ouvrir mon kit et je suis sûre qu'il va me plaire parce que cette collection elle est trop belle parce que je l'ai commandée. Juste avant de savoir que Corinne me mettrait celle-ci, mais c'est pas grave, ça fera un complément. Donc voilà, alors, on va la découvrir ensemble. Pardon. Eh oui, je crois que vous avez repéré la collection que c'est. C'est la collection Sunset. Automnal, je crois, je sais plus, un truc comme ça, de chez Prima. Donc évidemment, j'adore. Alors, hop, hop, oh, j'ai tout le papier qui traîne. Bon, voilà. Alors, dans le kit, donc on a, c'est bien la collection Automne Sunset de chez Prima. Donc, elle nous a mis une petite planche entière de Puffy Stickers. Ils sont trop mignons. Alors ça, je ne les ai pas pris en plus. Je ne les ai pas pris parce que je les voyais beaucoup plus grands. Et moi, j'ai un peu de mal avec les grands. Et là, ça ira très bien avec le projet que j'ai en tête. C'est des petites choses et ça sera très bien. Le petit renard, elle est trop mignon. Les petites citrouilles, je suis fan. Bon, les papillons, voilà. Petit renard, lapin, la petite tasse, là, trop mignon aussi. Donc, une petite planche de Puffy Stickers. Voilà, ça c'est dans le kit. Hein. On va commencer par les papiers. Alors, de la collection, on a celle-ci. Donc, c'est des 30-30. J'aime beaucoup cet effet moutarde là. Alors, on va pas faire de bêtises. Je vais pousser, monter. Voilà. Les petites feuilles comme ceci, avec les citrouilles. Ah oui, il y a du foil doré. Je ne sais pas si vous voyez, je pense que oui, parce qu'il y a un peu de rayon de soleil entre deux averses. Alors, attendez, je ne vois pas trop ce que ça donne. Ouais, si vous voyez là. Donc, un petit, désolé, un petit peu de foil. C'est entre le doré et le rose gold. Je sais pas trop. Mais en tout cas, c'est joli. Celle-ci. Voilà. Le foil sur les cartes. Les notes de musique. C'est pareil. Les jolies cartes. Ça sent super mignonne. Alors, celui-ci, j'adore. Je sais pas pourquoi. Hein. Pourtant, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais le Vichy, comme ça, ce que j'aime bien, c'est le brique un peu passé là, le brique chaud, je sais pas trop, entre le brique et puis le chocolat. Et celle-ci, très jolie, avec du foil comme ça, petit dessin, petit détail, là on a encore du foil en bas. Voilà, celle-ci, alors ce côté-là, moi je suis pas très fan, je vous l'avais déjà dit, hein, les plans comme ça, tamise, hein. Non. Si, je sais pas. C'est long alors si c'est la tamise. Non. Tamersfouche. Bon, bref. Moi, il me semble que c'est plutôt. C'est long hein, quand même. Bon. On s'en fout. Ensuite, celle-ci, bah, évidemment. Évidemment, je préfère. Voilà, avec du foil. Des petits oiseaux. Alors moi, je suis pas une grosse folle du foil, hein, de tout ce qui brille. Moi, voilà, comme la machine action du foil, tout ça, ça m'intéresse pas du tout. Mais là, j'aime bien parce que c'est avec, c'est des petites touches. Donc c'est sympa.
Mais sinon, je suis pas trop folle, alors. Moi, ça me dérange pas s'il y en a pas. Et là, c'est bon, il y en a peu. Donc ça, c'est cool. Bon, j'aime beaucoup celle-ci. L'effet grunge, vieux mur, là. J'aime beaucoup. Et là, les petites étiquettes. Et celui-là, c'est bien. Il fait pas jaune doré, très jaune. Vous voyez, parce que je sais pas ce que... Je sais pas aussi, vous voyez ce que je veux dire. Mais celui-ci est joli. Voilà. Ensuite, en basil, on a un... Alors, c'est pas un moutarde, c'est pas un orange. Alors, comment il s'appelle celui-ci? Pièce d'or. Gold Crane. Voilà. Voilà. Et c'est bien un basil. C'est une jolie couleur. Franchement, ça va très bien avec la collection. Et là, c'est pas un basil, mais c'est de la marque, je ne sais pas, et c'est la couleur noisette. Voilà. Celui-ci, c'est un basil, il n'est pas texturé, il est lisse des deux côtés. Et là, il est un peu texturé ici et lisse de l'autre côté. Voilà, je ne sais pas, je pense que c'est peut-être Artemio. Oh, Artemio, ou voilà, je ne sais pas. Ensuite, évidemment, on a le petit sachet de d'embellissement. Alors, voilà, on ne sait pas. Je sais qu'il y a quelque chose d'assez fragile dedans. Elle nous envoie la photo toujours et je sais qu'il y a quelque chose d'un peu fragile. Donc, la petite pochette de côté. Donc, dedans, on a... Alors... Ah non, c'est bon, je crois qu'il était cassé. Ouf. Alors, on a des petites cartes de journaling. Hop. Voilà. Il y en a trois. Alors évidemment, Corinne vous dit tout le temps, mais c'est aléatoire. Hein. Vous n'aurez peut-être pas forcément les mêmes que moi. Mais oui, il y en a toujours trois en tout cas. Voilà. Ensuite, on a les petits napperons. Cette fois, elle nous les a mis en noir pour aller avec la collection tonale. C'est super, moi je trouve que ça change. Trois petits napperons comme ça. Voilà, on a des petites feuilles de la collection Prima. Elles sont vraiment jolies. Voilà. On a trois fleurs de Prima. Celle-ci, elle est très jolie. Allez, il y a une partie tissu et une partie papier. J'aime beaucoup la couleur. Hein, pour les remettre un petit peu en forme, voilà, une petite rose comme ça, comme ils ont l'habitude de faire. Et celle-ci, c'est pareil, j'aime beaucoup. Mais celle-ci, je les avais commandées, mais celle-ci, non, donc c'est bien. Ensuite, on a des petites perles de pluie comme ça. Alors, j'essaye d'arranger un petit peu parce que je vais prendre en photo. Donc, des petites perles de pluie. Moi, je dirais plutôt moutarde, pas jaune, pas orange. Donc, bah, moutarde. Hop. Vous voyez, je m'amuse bien. Hein. Quand je fais des photos, je suis toujours... voilà. Enfin, soit où je jette et puis c'est, ça tombe comme ça tombe. Enfin, je jette. Ouais, je m'entends. Hein. Ensuite, on a deux petits coins comme ça, métal en doré. Avec un petit peu de dessin dessus. J'ai pas trop de métal comme ça doré, moi. Et un superbe embellissement automne. Alors, ça met comme ça. Voilà, en bois. Très joli pour faire le titre. Vous voyez, il y a un petit truc qui est comme ça, mais c'est à l'intérieur d'une lettre. J'avais peur que ça soit... Oui, c'est l'intérieur d'ici, là. J'avais peur que ça soit cassé, mais non. C'est pas cassé. Sauvé. Donc, voilà le super kit donc du mois du mois d'octobre de Corinne. Eh bien, écoutez, moi je suis ravie. Maintenant, comme on dit, il n'y a plus qu'à. Alors je vais me mettre au boulot. Je pense que mon week-end va être pris par le projet que j'ai à faire pour ma DT, donc les kits de Corinne. Je verrai parce que je pense que ça va être un projet en fait avec mes deux DT en fait parce que je vais mettre certainement
mettre aussi des produits que j'ai achetés moi. Mais je vais pas trop, je pense que ça sera plutôt des embellissements, peut-être un peu plus, quoique je sais pas. Bon, en tout cas, je vous le dirai. Voilà. Je vous le dirai. Et puis, en tout cas, dépêchez-vous si vous souhaitez ce kit. Je pense qu'elle n'a pas bougé les prix. Je crois que c'est 20 euros. Oui, je crois. Moi, si je dis une bêtise, je me couperai. Mais je crois que c'est ça. Donc, voilà. En tout cas, moi, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!